Vous souhaitez faire quoi, madame ? Alors, j'aimerais faire le maillot brésilien. Très bien. Allez, vous pouvez vous mettre à l'aise, on enlève tout. Hop là. Je vous donne mon jean, tenez. Ma culotte, tenez. Ah, j'ai une grosse journée de travail. Vous travaillez dans quoi ? Je suis secrétaire de direction. C'est un métier épuisant, beaucoup de stress, des coups de chaud. Heureusement, je suis allée courir ce midi. Je suis crevée. Ah, allez, on y va. Oui, très bien, on va commencer. Par contre, je vais revenir dans un court instant, madame, parce que j'ai 2-3 choses à vérifier. Et je reviens. Ah non, je peux pas, c'est un délire. Qu'est-ce qu'il y a ? La meuf, elle pue mon frère, mais c'est un délire, Jennifer, faut que tu me sauves là. Je peux pas, elle a une odeur. T'exagères. Genre, elle a enlevé son jean, ça faisait déjà une couche d'odeur pas très agréable. Et là, au moment, elle a enlevé sa culotte, j'ai fait wow. Nos hormones, le stress, la transpiration, oui, effectivement. La meuf, elle sent la mer. Ah, ça peut arriver qu'il y ait une petite odeur en fin de journée, c'est sûr. Genre, ça m'a picoté la peau carrément. On sent pas pareil à 18h qu'à 9h du matin, c'est sûr. Non mais d'accord, mais je sais pas, tu sais, tu vas te faire épiler le soir, je sais pas, passe-toi une lingette. Franchement, ma nénette, hein. Ou de l'eau au moins, tu vois, pour nettoyer le bordel, pour qu'il soit présentable. Là, son truc, il a été sous pression toute la journée, il a pas respiré, il a transpiré et je me prends tout en pleine face. Non, là je suis pas d'accord. Hein. Et la sororité, franchement, t'es pas féministe. Rien à voir. Mais alors là, rien à voir. Eh ben moi, je me comprends. Ça y est, t'as appris un mot, tu le mets dans toutes les phrases en fait. La go, elle sent la mer, je te dis. La mer. Elle sent genre les crustacés, les petits corail qui nagent là comme ça. N'importe quoi. En plus, j'ai mangé des nems aux crevettes midi. Eh, ils sont là, je te jure, plus le temps il passe et ils avancent. Tu fais du cinéma. Limite, ils ont envie d'aller rejoindre les petits corail sur elles, tu vois. Alors ça, non, là, c'est n'importe quoi. Jennifer, faut que tu me remplaces, s'il te plaît. Mais je peux pas, je suis en train de nettoyer le comptoir, sinon Karine, elle va nous engueuler demain matin. Vas-y, s'il te plaît, Jennifer, en plus, toi, t'es moins sensible que moi, ça se voit, tu vois, moi, j'ai un petit nez. Ah, si c'est pas moi qui le fais, personne le fait, puis c'est moi qui prends pour tout le monde. Hein. Mais vas-y, je le fais, moi, le comptoir. Tu sais pas le faire, tu mets trop de produits, ma nénette, et puis après, on se fait engueuler par Karine qui dit qu'on utilise un sheet par semaine, et puis que ça va être déduit notre paye. Regarde, j'ai un dilemme de malade. Demain, je quitte à 17h, tu quittes à 18h. Eh ben, tu sais quoi, si tu me remplaces, tu prends mon 17h, je prends ton 18 et je te montre rien de retour. Juste, tu vas lui épiler 3 poils. T'as juste à lui faire le maillot. En plus, la meuf, elle est bon délire, elle est hyper sympa. Et tu prends mon 17h. Je suis pas assez prêt, ma nénette, c'est pas la question. Franchement, Jennifer, en plus, elle est super sympa, la go. Tu vas la voir, tu vas te dire, vas-y, je veux être sa copine. Hyper gentille, respectueuse avec les esthéticiennes, tu vois. Après, je dis pas qu'elle est sale, je dis juste, elle sent la mer. Mais peut-être que toi, l'odeur de la mer. En plus, ça fait longtemps que t'es pas partie en vacances. Alors, tu continues de nettoyer le comptoir. Et tu mets cap shit. Hein, sinon, après, Karine, elle nous engueule. Promis, quoi que ce soit demain, je dirais que c'est toi. Hein. Tu mets qu'un seul shit, ma nénette. C'est pas la peine de mettre toute la bouteille. De toute façon, Karine, elle vérifie. Hein, si elle me dit quoi que ce soit demain, je dirais que c'est toi. Bon, allez, j'y vais. Hein, je vais à la mer. Ah, et puis si je vais quand même bien prendre ton 17h demain, comme ça, je pourrais aller cool à la Zumba. Ah, parce que le cours il est à 18h30, quand je quitte à 18h. Ok, Jennifer, mais vas-y, la meuf elle attend là. Ouh, je vais la tuer. Oh là là, je vais tout lui dire. Tu veux qu'on réchange? Ouh, je vais la tuer celle-là. Je la dépanne et je m'en prends encore plein la gueule.